Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous connecter à Oz. Tout d'abord, cliquez sur un navigateur pour vous connecter au web. Je vous conseille d'utiliser Google Chrome. Ensuite, rendez-vous sur un moteur de recherche comme Quant ou bien Google, par exemple. Tapez ENC Oz, O-Z-E. Vérifiez bien que l'adresse correspond, ça doit être enc.odesen.fr. Cliquez dessus. Vous voici sur l'écran de connexion. En haut, vous avez bien l'adresse enc.odesen.fr dans la barre d'URL. Écrivez votre nom d'utilisateur, qui est généralement votre prénom, point, votre nom. Vous pouvez ensuite cliquer directement dessous et la suite de l'adresse s'écrit toute seule, @enc.odesen.fr. Écrivez le mot de passe en faisant attention à bien mettre les majuscules, les minuscules, les signes de ponctuation ainsi que les chiffres. Appuyez sur l'œil pour vérifier que le mot de passe est correct et cliquez sur « Je me connecte ». Vous arrivez sur l'écran d'accueil du site. Vous avez sur le côté le tableau d'information qui est actualisé régulièrement, les notifications en haut à droite. Vous pouvez également cliquer sur l'enveloppe pour les mails. Vous pouvez replier le tableau d'information en appuyant sur la flèche et regarder vos applications.